Ok, allez, on passe à la suite. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Voilà. Donc, vos questions en direct, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Alors, Alphée dit, Bertrand, j'essaye d'apprendre douce nuit et je trouve que ça se nuit en tonalité de Do. Est-ce que ça peut venir de moi? Je pense que c'est le fait effectivement de l'avoir beaucoup entendu en Do. Ça fait que effectivement on peut ça. Après, effectivement, si on joue codé note naturelle et qu'on le joue en Do, ça va comme c'est le comme le cette, ce, ce chanson je vais y arriver. Cette chanson-là, effectivement, en tonalité de Do, et quand on joue qu'avec les notes naturelles, effectivement, ça sonne mieux sur un Do parce qu'on est habitué à l'entendre, quoi. Mais sinon, évidemment, alors soit si on veut vraiment le faire sur l'harmonica en si bémol, soit on transpose pour que le douce nuit il soit joué avec l'harmonica en si bémol, mais avec les notes qu'on a l'habitude d'entendre en Do, ou alors on le joue sur le si bémol et du coup on le joue un ton plus bas que l'original. Mais effectivement, il y a certaines chansons, si on les entend dans une certaine tonalité et qu'on les joue dans une autre, on dit ah tiens, c'est bizarre. Alors peut-être que tu as l'oreille absolue aussi, je ne sais pas si tu l'as, mais ceux qui ont l'oreille absolue, quand ils entendent un morceau dans une tonalité et qu'ils l'entendent dans une autre, ils disent oh, ça sonne bizarre parce qu'ils sont habitués justement à l'avoir dans une certaine tonalité. Il y a plusieurs niveaux d'oreille absolue en fait. Donc, quand on dit absolu, on a l'impression qu'on sait tout faire, qu'on entend tout, etc. Et on peut tout reconnaître, mais c'est pas forcément le. Mais c'est vrai que voilà, quand on est habitué à entendre une chanson dans une tonalité, parfois, ça fait un peu bizarre de le faire dans une autre. Mais bon. Après, de toute façon, tout ce que tu apprends à jouer dans les cours sur le si bémol, tu peux le reproduire sur le do. Hein. Ça, c'est pas. Il fallait bien, de toute façon, choisir une tonalité. J'ai choisi le si bémol pour toutes les raisons que vous connaissez. Donc, une fois qu'on a appris à le faire sur un harmonica, après. Évidemment, on peut le transposer sur. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand j'ai envie de jouer un morceau, parfois, je me dis, tiens, ça fait un moment que je n'ai pas joué sur un harmonica en mi. Bon, je ne vais pas donner des cours sur l'harmonica en mi, puisqu'on l'utilise très peu, mais de temps en temps, je joue sur un harmonica en mi. Puis ça me fait plaisir de le faire comme ça. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas dans l'immédiat. Quelle heure est-il? Oh là, 22h40. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok.